Bienvenue à la chronique du soir. C'est avec notre consultant politique à UTL, Agapit Napoléon Wafoïkan. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes consultant médias et communication par ailleurs, expert en gouvernance, expert électoral. Et justement, nous parlerons des questions électorales puisque cela a trait quand même à une question très cruciale et on se pose des questions. Est-ce que Patrice Talon aura des vis-à-vis, aura des concurrents pour la présidentielle de 2021? Vous savez, nous sommes à 8 mois, très exactement, on pourrait le dire, hein, environ 8 mois donc de cette échéance-là. Mais les choses bougent tout de même. Hein. On voit l'université Joël Aïvor sur le terrain. On entend un certain nombre de choses, mais on se dit, est-ce que ces personnes pourraient avoir ce qu'il faut? La clé de voûte, c'est bien le parrainage. Quand on sait qu'au Parlement, par exemple, il y a des députés qui soutiennent l'action du gouvernement, donc du président de la République, quand on sait que les maires, l'opposition n'a que 7 maires, par exemple. Bien, alors vous posez plusieurs problèmes dans la même question. D'abord, Patrice Talon n'est pas encore candidat. Je pense qu'il faudrait déjà l'acter, même s'il y a beaucoup d'appels, même s'il y a une volonté pratiquement manifeste. Pour qu'il le soit, il n'a pas encore décidé. C'est une décision personnelle. Oui. Hein, et donc, attendons de l'acter. En fait, donc, le chaviserie continue de garder tout, Son suspense. Les moments ne me paraissent pas encore advenus. C'est pas encore, ce serait indécent aujourd'hui que le chef d'État ce matin a dit la candidat à la présidentielle. Il y a assez de dossiers, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Lui, il gère l'État. Il y a ceux qui sont là pour l'aider, pour l'accompagner, pour susciter en lui l'envie. Et je pense que c'est ceux-là qui, aujourd'hui, lui font appel du pied. Donc, on est en ce moment-là. Il faut bien qu'il mesure également l'ampleur ou la qualité de l'attente avant de peut-être prendre sa décision. Pour aviser, il faut avoir des éléments d'appréciation. Donc, voilà, on ne peut pas dire aujourd'hui que quand Patrice Talon soit candidat, c'est un souhait de beaucoup. Nous l'avons exprimé hier par ailleurs, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est déjà candidat, il ne l'est pas. Donc ça, c'est déjà une clarification qui est faite. Tout comme les autres, quand vous avez parlé de l'université, je ne sais pas s'il a déclaré clairement. En tout cas, tout montre que tout. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais s'il le faisait, ce ne serait qu'une déclaration d'intention. Entre la déclaration d'intention et la concrétisation, il faut un pas. Et donc, vous avez posé le problème crucial que ça pose. La conditionnalité, il faut être parrainé par 16 élus, au moins. Élus, c'est-à-dire la qualité des élus, c'est député ou maire. Mmh. Alors, donc, c'est une conditionnalité. Donc, ça fait partie des options de certaines grandes démocraties, dont la France. Le Bénin n'invente rien. Alors, il appartient à tout candidat. Mais ce serait quand même bien difficile, bien compliqué. À ceux qui ont qui ont envie de diriger ce pays, mais qui ne sont pas ni du BR, ni de l'Union progressiste, par exemple, ou parce que même l'opposition, à travers le parti FCBE, n'a que 7 maires, par exemple. D'abord, il ne faut pas simplifier aussi la chose que ça. Si quelqu'un n'a pas de parrainage, il n'a pas qualité d'être candidat. C'est aussi simple. Si vous n'avez pas 40 ans, je vois quand il y a l'élection présidentielle. Et je suis de ceux qui pensent qu'on peut diriger ce pays sans avoir 40 ans. On a vu des gens, Mathieu Kérékou, je le dis, a pris ce pays, il n'avait pas 40 ans. Kadhafi a pris la Libye, il n'avait pas 30 ans. Donc la reine d'Angleterre a été consacrée reine à 24 ans. Et donc on n'a pas besoin d'avoir 40 ans pour diriger le pays. Et Abdelhak Ouad a été élu président de la République à 74 ans, il vit encore. Il a fait 2 mandats, donc il a fait 12 ans. Et donc, il vit encore. Donc, et pourtant, ici, à 70 ans, ne peut plus être candidat. Donc, c'est un choix de constituant. Et donc, le constituant, le législateur, ils font des choix. Ils font des choix. Donc, si vous n'avez pas les parrainages, vous n'êtes pas candidat. Moi, quand je vois ceux qui se lamentent, je me dis, mais ils sont démocrates ou ils ne le sont pas. Si on peut admettre qu'on fasse la limitation d'âge, si on peut admettre qu'on fasse des choix de cette type d'option, et pourquoi on ne ferait pas? Les conditions sont les conditions. Elles ont été validées,
Donc, elle rentre en ligne de compte. Et je dis, la France que nous citons en option, là, depuis 1962, lors de l'élection du président de la République au suffrage universel, déjà, il fallait avoir 100 parrainages de 100 élus à l'époque. Et puis, chemin faisant, ils se sont rendus compte que la question de limitation qui était posée, il y avait toujours des candidatures fantaisistes parce que les gens arrivaient à avoir rapidement les 100. Et donc, en, à partir de 1976, une réforme législative a ramené, a repoussé le nombre à 500. Donc, la France a quitté 100 pour aller à 500. Et depuis 1976, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle sans avoir 500 et signature de parrain. Et ces 500, encore, tenez-vous bien, doivent provenir d'au moins 30 départements. Et aucun département ne peut donner plus de 10%, donc ne peut donner plus de 50%. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir des élus dans au moins 30 départements. Et dans les 30 départements, aucun département ne peut donner plus de 50% des élus. On ne peut pas avoir plus de 50 élus d'un département qui vous parraine. Et donc, toutes ces conditions existent. Et à chaque veille de la présidentielle, vous voyez, Marine Le Pen, ou auparavant son papa, et certains candidats, disent mais ils n'ont pas de parrainage. Et jusqu'au dernier moment, ils n'arrivent pas à avoir de parrainage. Et certains n'arrivent pas à être candidats parce qu'ils n'ont pas de parrainage. Mais à comparer c'est le une Bénin, pratique démocratique. Oui, mais à comparer le Bénin à cette démocratie, on est une jeune démocratie. Moi, je n'opine pas, mais quand nous limitions l'âge à l'élection présidentielle en 90, nous étions une vieille démocratie. Mais il ne faut pas qu'on puisse faire du choix. Je pense que soit nous faisons une démocratie représentative et nous avons foi à nos institutions. Les élections législatives ont donné une Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui a voté cette disposition, les dispositions du code électoral qui ont conduit à la présidentielle, aux législatives de 2019, était une Assemblée valide de plusieurs partis. Les lois ont été votées, des gens ont refusé d'aller aux élections et ont laissé le chemin à d'autres qui sont allés. Nous avons une assemblée. Donc, les élus parlementaires de l'UP ou du BR, comme les élus communaux, les élus communaux donc de l'UP et du BR, et de l'SCBE, aviseront, ils décideront de qui, à qui ils donneront leur parrainage. Donc, je pense qu'il y a une première constance. Le parrainage n'est pour bloquer personne. Le parrainage a été institué dans les grandes démocraties. La France l'applique. Nous l'avons institué. Nous l'appliquons. Comme nous avons institué beaucoup de choses que d'autres ont fait. Comme nous avons institué des choses que personne ne faisait. En France, il n'y avait pas de limitation de mandat jusqu'en 2012, jusqu'en 2007, lors de la réforme constitutionnelle. Au Bénin, on a limité le mandat depuis 90. Par exemple, chaque pays fait ce qu'il a envie de faire de sa démocratie. Et donc, nous ne pouvons pas dire, parce que telle disposition ne nous plaît pas, qu'elle est antidémocratique ou bien c'est pour éliminer des gens. Non, c'est trop facile. Mais quand vous voyez un peu le visage que cela présente aujourd'hui, je pose encore autrement la question. La loi est impersonnelle, est-ce que vous le savez? En votant une loi, on ne regarde pas la tête de quelqu'un. Donc le visage d'aujourd'hui est un visage conjoncturel. On ne peut pas regarder ça maintenant pour refaire une loi en tenant compte du visage d'aujourd'hui. Non, donc la loi, elle est impersonnelle. Et la loi, elle date de novembre 2000, après le dialogue politique. Donc la loi est venue après pour corriger ce qu'on reprochait aux lois de 2018. Donc la loi de 2019 a institué, les gens le savaient, ils n'avaient qu'à se regrouper, ils n'avaient qu'à trouver les stratégies pour aller, pour engranger. Donc pour moi, s'il faut suivre les atermoiements, les hésitations de ceux qui n'ont pas envie de s'adapter, on risque d'être tiré toujours par le poids de l'inaction, de l'immobilisme ou des visées passéistes. On est obligé d'avancer. Il y a un point quand même de votre analyse récemment qui fait dire que l'opposition pourrait bénéficier justement du parrainage de ceux de la mouvance, par exemple. Deux choses. C'est pour ça que je voulais qu'on sépare les deux. Le principe, il faut dire que nous l'actions, que c'est une pratique normale, elle est démocratique et elle ne pose aucun problème, ni de droit, ni politique. C'est nos lois. La loi est dure, c'est la loi. Elle existe et elle doit pouvoir être appliquée. En principe, on ne doit pas se lamenter. Maintenant, les gens qui n'ont pas accès, qui n'ont pas de
qui n'ont pas la facilité d'avoir, peuvent ne pas être contents. Ils peuvent exprimer leur mécontentement, c'est leur droit. Mais ça n'a rien. Bon, ils peuvent attaquer aussi ça. Et ils peuvent toujours trouver que c'est antidémocratique. Mais il faut qu'on sache qu'est-ce qui est antidémocratique. Toute restriction est par ailleurs antidémocratique. Or, la loi parfois crée des restrictions au nom de l'obligation que nous avons de restreindre une partie de nos droits pour pouvoir vivre en société. Donc, c'est au nom de cette loi que, c'est pour éviter les candidatures fantaisistes, nous avions institué cette histoire de cette affaire de parrainage. Tout comme on l'avait institué en 90, la limitation d'âge, que je trouve une grosse aberration. Moi, je suis totalement contre la limitation d'âge. Je ne sais pas pourquoi il faut limiter l'âge. Si on a foi au peuple, on n'a pas besoin de limiter l'âge, par exemple. Et pourtant, les gens l'ont défendu bec et ongle en 1990, l'ont redéfendu encore cet ancien. Donc, on l'a maintenu. Alors, donc, pourquoi aujourd'hui le parrainage crée un problème? Le parrainage ne crée pas autant de problèmes que la limitation d'âge. Voilà. Donc, cela dit. Le deuxième aspect, c'est que maintenant, on peut, au regard quand même de la cartographie et politique actuelle, et surtout des élus potentiels qui sont en mesure de donner des parrainages, de conseiller des parrainages, on peut analyser et dire, ah, il va falloir quand même que ces élus, parce qu'il n'y a pas encore une règle qui oriente le comportement de l'élu. Aucun texte n'a dit que l'élu doit suivre l'orientation du parti, de son parti ou de son institution. Ce n'est pas dit. Quoique, c'est quand même une discipline que lorsque vous appartenez à un parti, vous suivez la ligne du parti. Mais au même moment, l'élu est élu de la nation. Le député est l'élu de la nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Donc, normalement, le député ne reçoit pas d'ordre de son parti. Il agit librement. Et parce qu'il agit librement, il peut décider de concéder son parrainage à un élu, à une personnalité qui le requiert. Et qu'en son âme et conscience, il estime que cette personnalité est en mesure d'être candidat à l'élection présidentielle. Et moi, je suis partisan d'un système un peu mixte, où les partis concèdent peut-être, l'UP et le BR concèdent quand même quelques parrainages. Pour sauver alors Non, pas pour sauver quelque chose. Quelques parrainages pour permettre aux partis de l'opposition républicaine, les partis qui ont déclaré et qui ont été régulièrement enregistrés, mais qui ne sont pas représentés au Parlement ou pas suffisamment représentés dans les conseils élus, que ces partis, s'ils ont des candidatures, que ces candidatures puissent être validées par des parrains. Pour moi, c'est un aménagement à trouver, pas au niveau de la loi ne doit pas être retouchée, c'est ce que je pense. On ne peut pas retoucher à la loi à chaque instant, à chaque problème, surtout quand on peut le gérer pour ne pas créer des antécédents. Donc, la loi n'a pas besoin d'être touchée. Il suffit simplement que soit les partis s'entendent, ou soit le député librement joue en qualité donc d'élu de la nation, mais en respectant quand même le choix républicain. Les partis qui ne se sont pas déclarés partis, normalement, ne suivent pas le jeu de la République. Ils sont en conflit, ils sont en rébellion, ils sont en résistance contre les lois. Ceux qui se disent résistants, par exemple, en principe, quand un élu de la nation, au regard des textes et lois applicables, se dit, je parraine quelqu'un qui est en résistance face au test, il y a une sorte de conflit, de conflit de logique, et qu'il faut éviter. Mais en dehors de ça, nous avons des partis qui se sont librement déclarés, et donc, à mon humble avis, ces partis, même de l'opposition, s'ils ont des candidatures à présenter, il faudrait les aider à avoir le nombre de parrainages. Mais là, cela ne s'impose pas de droit. Cela doit se négocier politiquement pour que le jeu soit assez ouvert. Donc, ce n'est pas pour sauver quoi que ce soit, mais c'est dans le jeu normal des échanges, de collaboration, de partenariat, de l'ouverture de démocratique. Je pense qu'il faut que nous apprenions également à négocier et à s'ouvrir, à aller vers les autres. Voilà. Donc, le Bénin avance. Je ne suis pas partisan qu'on touche. De toute façon, on y reviendra. Et surtout, retenez que le parrainage n'est pas pour bloquer quelqu'un. Le parrainage est une pratique
pour éviter les candidatures fantaisistes, et le Bénin n'a rien inventé en la matière. Très bien, merci beaucoup Agapit Napoléon Mafouricain. Le temps vite passé, on y reviendra de toute façon, puisque quand même le débat, ça va se poursuivre bien évidemment. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, et donc c'est la fin de la chronique du soir, et c'est la fin également de votre émission sur le grand soir. Nous allons vous retrouver demain à partir de 19h. Mais en attendant, suivez nos programmes. Vous n'oubliez pas les rendez-vous qui vous attendent. Le débat technique raconte ta journée avec Stanislas Benkoua. Moi, c'est de nouveaux rendez-vous, bien évidemment. Et donc, merci de rester connecté ETL.